chanteur, compositeur, interprète d'origine libano-égyptienne, ses mélodies nous accompagnent depuis plus de 40 ans. Reconnu dans le milieu de la variété française, il n'avait pas fait d'album en solo depuis plus de 7 ans. Le voilà qui revient pour nous parler de son dernier disque, un disque empreint de poésie, d'amour et d'optimisme. Toujours inspiré, il ne se départit jamais de son sourire et de son amour de la vie. C'est Louis Chédid que nous recevons ce soir sur le plateau de Lumière Intérieure. Bonsoir Louis Chédid. Bonsoir. On est ravis de... Merci pour la présentation. Merci à vous en tout cas d'être avec nous. Comment allez-vous ? Très bien, très bien. Avant de parler de votre album, que j'annonçais, de votre dernier album, parlons un peu de vous si vous le voulez bien. Comment est-ce que vous vous définissez ? Parce que j'essaie de donner quelques mots pour vous définir. Oui, absolument. C'est difficile de se définir soi-même parce qu'en fait on se connaît mal. Et tant mieux d'ailleurs, parce que je trouve qu'il ne faut pas trop se connaître. Parce que si on se connaît trop, on ne se surprend plus. Et moi, j'aime bien me surprendre quand même de temps en temps. Vous y arrivez à vous surprendre ? Oui. Oui, enfin, j'arrive à me surprendre quand, par exemple, je suis en état de créativité, si vous voulez, et que tout d'un coup, j'ai l'impression de sortir de moi une chanson ou un texte ou une musique, si vous voulez, qui m'étonne, parce que parfois, vous savez, ça arrive comme ça et ça vous dépasse, quoi. C'est vraiment l'instinct qui parle, quoi, et pas la raison du tout. Et voilà, donc oui, ça m'arrive artiste, de me surprendre. Oui. Heureusement, ça arrive de me surprendre encore. Pour être artiste, j'imagine qu'il en faut une large dose d'instinct, justement. Ouais, ouais. Et puis, vous savez, il y a un côté très enfantin là-dedans. Donc, il faut, quel cage qu'on ait, il faut quand même garder vraiment un pied dans cet enfant intérieur, justement, dont je parle dans le disque, qui est très bon conseiller, en fait. Parce que c'est vraiment... la personnalité qu'on a, qui est la personnalité la plus intéressante, c'est la personnalité instinctive, c'est pas la personnalité raisonnable, c'est pas l'adulte qui parle, c'est tout ce qu'il y a d'émotions, de sentiments qu'on peut éprouver par rapport à des gens, par rapport à des situations, comment on peut réagir. Je me suis rendu compte, moi, vraiment dans ma vie, on vous éduque à être raisonnable. En fait, quand vous passez par l'école, et puis quand vous rentrez dans la vie d'adulte, on vous demande d'être raisonnable, quoi. Responsable, raisonnable, que des adjectifs en able. Et en fait, vous vous rendez compte que ce qui est intéressant, je trouve, c'est au bout d'un moment, vous vous rendez compte que c'est l'instinct qui est le plus bon conseiller. C'est l'instinct, c'est le fait de se dire, tiens, j'ai envie de faire ça, mais comme un enfant, quoi, qui ne va pas réfléchir, qui va avoir envie d'un gâteau, il va bouffer le gâteau, il ne va pas se dire, ah non, si je mange le gâteau, je vais prendre 3 kilos. Enfin, oui, c'est des exemples simples, mais voilà. Et donc, je me fie beaucoup plus à mon instinct aujourd'hui. Alors, cet album, il s'intitule « Tout ce qu'on veut dans la vie ». Ouais. Alors, j'avais envie de demander, vous, aujourd'hui, vous voulez quoi ? Moi, je veux être heureux. Et c'est un combat de vouloir être heureux et de se tirer vers le haut toujours, et au lieu de se tirer vers le bas, si vous voulez. Voilà. Et pour moi, c'est le combat de la vie, c'est d'essayer d'être bien. Et d'être bien avec soi-même d'abord, parce que ça c'est la base. Et plus on est bien avec soi-même, et plus on est bien avec les autres. Donc ça passe par la bienveillance, évidemment, mais ça passe aussi par le fait de faire attention à soi, quoi. C'est pas de l'égoïsme de s'occuper de soi. C'est, au contraire, c'est une obligation. Est-ce qu'il y a une genèse, une explication, quelque chose qui a été le déclic de cet album ? Oui, c'est toujours tout ce qu'on a vécu avant. Quand on est auteur-compositeur, en fait, on se raconte. Et même si ça paraît pas... comme ça, en écoutant la chanson autobiographique, ça y est toujours. Il y a toujours une part d'autobiographie. Il y a tout ce qu'on vit, et tout ce qu'on vit depuis des années. Et entre l'album précédent et celui-là, il y a eu 7 ans, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Et ces 7 ans, j'ai fait beaucoup de choses très différentes. Vécu beaucoup de choses, rencontré pas mal de gens, éprouvé des émotions et des réactions par rapport à certaines choses qui m'ont choqué aussi, mais voilà, et tout ça fait à un moment donné se cristallise, si vous voulez, et font des chansons, quoi, parce que c'est moi qui fais des chansons. En parlant de chansons, je vous propose qu'on se plonge directement dans l'ambiance et qu'on écoute ce titre. D'accord. Tout ce qu'on veut dans la vie. Tout ce qu'on veut dans la vie, c'est qu'on nous aime,
Même si c'est pour la nuit, on prend quand même des parents, des amis qui nous comprennent. Tout ce qu'on veut dans la vie, c'est qu'on s'embrasse, qu'on s'enlace, main dans la main, face à face. Tout ce qu'on veut dans la vie, corps à corps, bouche à bouche, que l'on s'adore, que l'on se touche. Tout ce qu'on veut dans la vie. Alors voilà, c'était tout ce qu'on veut dans la vie. Je précise que vous serez en tournée dans toute la France à partir du 27 mars et à Paris à l'Olympia les 26 et 27 mai, c'est bien ça? Ce besoin d'amour, de tendresse, il a toujours existé. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il est encore plus prégnant aujourd'hui? Oui, je pense qu'on a vraiment... en tout cas, je parle pour moi parce que c'est difficile de parler pour les autres, mais je pense que c'est important d'aller vers quelque chose qui vous rend... qui vous élève, quoi. Et donc, en général, les choses qui vous élèvent, les émotions, c'est les sentiments, c'est l'amour qu'on peut porter pour d'autres êtres, mais aussi l'amour qu'on peut porter pour son travail, l'amour, la passion, quoi, les choses un peu vibrantes. L'amour, vous l'avez beaucoup chanté, vous l'aviez déjà chanté un peu dans le même esprit avec votre fils Mathieu. On ne dit jamais aux gens qu'on aime qu'on les aime. Oui, oui, absolument. C'est une thématique assez récurrente. Oui, c'est, c'est sûr que c'est une... Mais enfin, je ne pense pas que ce soit... Il n'y a que moi qui ai cette thématique. La plupart des chansons, c'est « I love you » en anglais, etc. Et beaucoup de chansons d'amour, parfois un peu moins directes en français, parce que les Français sont plus pudiques... que les Anglais à ce niveau-là, etc. Mais moi, je n'ai pas trop de pudeur là-dessus. C'est votre maman qui vous a donné envie d'être artiste? Comment c'est né? Oui, absolument. Ça, c'est sûr. Parce qu'en fait, j'étais un petit garçon assez complexé, très timide, et d'autant plus complexé que je n'étais pas bon à l'école du tout. Vraiment pas bon. Et, vous avez été dans un institut catholique, je crois, dès l'âge de 6 ans. L'école Bossuet. Vous gardez quel souvenir de cette époque? Donc, un petit garçon timide qui avait des difficultés scolaires, c'est ça que vous me disiez? Alors, au début, j'étais très très bon élève. Et que s'est-il passé? Je ne sais pas. C'est ça qui est intéressant, c'est que je n'ai jamais pu savoir pourquoi, à un moment donné, j'ai vrillé comme ça. J'ai vraiment vrillé, et pour des raisons, à mon avis, vraiment internes. C'est-à-dire que j'ai eu la sensation, je voyais par exemple les adultes ne faire qu'une chose, et le faire à fond, vous voyez. Et moi, le fait qu'on me demandait d'être bon en géo, en maths, en machin, enfin, toutes les disciplines possibles et imaginables, je ne comprenais pas qu'on m'oblige à... Voilà. Et puis, pour répondre à votre question, ma mère, je la voyais donc se réveiller le matin, prendre son petit-déj, et puis après, souvent, elle se remettait au lit, elle prenait sa machine à écrire, et elle tapait ses textes et tout, et moi, je devais aller à l'école à ce moment-là, et je me disais, je ne comprends pas ce qu'elle fait, mais ça me plaît beaucoup. Voilà, en fait, c'était ça. Et donc, ça a commencé comme ça. Bon, c'est pas des bonnes raisons au début. Non, mais ça vous a inspiré sans doute. Et alors, dans cet institut catholique, vous avez fait vos premiers pas de chanteur avec les petits chanteurs à la Croix de Bois. Est-ce que vous pensez que ça a joué un rôle aussi dans votre vocation? Sûrement. Alors ça aussi, c'est pas obligatoirement pour des bonnes raisons. C'est parce qu'en fait, quand j'étais chanteur à la Croix de Bois, on partait par... J'ai fait ma première tournée avec les chanteurs à la Croix de Bois parce que, en fait, le Monseigneur Maillet, qui était un peu le grand maître des petits chanteurs à la Croix de Bois, nous emmenait les meilleurs chanteurs et nous emmenait faire des espèces de tournées. Et je me souviens qu'on a fait une tournée en Espagne et on s'est fait plusieurs églises comme ça en Espagne. On partait 3 semaines
Et j'avoue que là, c'était génial, parce que je séchais l'école avec la bénédiction de Mgr Maillet. Et donc sûrement, quelque part, je me suis dit, mais ouais, ça a dû se cristalliser à un moment donné, en se disant, entre ma mère, les petits chanteurs à la Croix de Bois et tout ça, j'ai dû me dire, c'est quand même bien de faire un métier artistique. Mais en fait, je ne savais pas du tout ce que je voulais faire. Hein. Vous aimiez beaucoup la littérature aussi, je crois. J'aimais beaucoup. Ça, c'est un truc vraiment... Vous lisiez beaucoup, adolescent ? Beaucoup, beaucoup, ouais. Beaucoup. Je devais lire 3-4 livres par semaine, enfin, facile. J'ai lu dans une interview, vous disiez que c'est un refuge, la littérature. Et alors, je me suis posé la question, un refuge pour fuir quoi ? Bah, pour fuir, justement, tout ce côté, toute cette scolarité qui était tellement pesante pour moi, tellement... c'était pesant, quoi. Et puis aussi, il faut se replacer dans un contexte, c'est-à-dire que c'était avant 68, et avant 68, on se prenait des baffes à l'école. Enfin, je veux dire, vous voyez, c'était pas du tout... C'est le contraire de maintenant, quoi. C'est vraiment... les profs avaient le droit à peu près de tout faire. Si jamais vous étiez fait même injustement taper ou coller ou machin, etc., les parents vous disaient non, mais il doit y avoir une raison. Enfin, vous voyez, donc c'était. Oui, c'était pour fuir. Alors vous êtes passionné pour beaucoup de choses, également pour le cinéma. Vous avez étudié, vous êtes d'ailleurs devenu réalisateur. Pourquoi finalement est-ce que vous n'avez pas persévéré dans cette voie-là ? Parce qu'un jour, je me suis rendu... Parce qu'en fait, grâce à un ami, je faisais des maquettes depuis toujours. Hein. J'ai commencé la guitare à l'âge de 12 ans. Oui. Et donc, j'ai commencé à faire mes premières maquettes et à commencer à écrire des chansons. Je devais avoir 17-18 ans. Et j'avais acheté un Revox, qui était un gros magnétophone à l'époque, qui faisait 10 pistes. Enfin, il y avait 2 pistes. Et donc, j'avais commencé à enregistrer des maquettes. Et j'avais rencontré, donc, en étant monteur, moi j'étais monteur au départ de film, et j'avais rencontré un réalisateur avec qui je travaillais et qui connaissait très bien les gens de chez Barclay, etc. Et qui avait écouté mes maquettes et qui m'avait dit « Ah ben, un jour, si tu veux, on ira chez Barclay, on leur fera écouter. » Bon, voilà. Et franchement, je ne pensais pas du tout faire une carrière dans la chanson ou quoi que ce soit. Enfin, moi, c'était le cinéma. Et on est arrivé chez Barclay... Et on est tombé sur un directeur artistique qui m'a dit « Je vous fais faire un premier album ». Ça s'est passé d'une manière un peu... Vous savez, dans la vie, des fois, vous êtes dans un état de grâce et à un moment donné, où vous êtes tac, au bon endroit, au bon moment. C'est ce qui m'est arrivé. Et il m'a fait faire un premier disque. Et donc, j'ai découvert, je ne savais absolument pas ce que c'était que d'enregistrer dans un studio d'enregistrement, avec des musiciens, tout ça. J'ai découvert un truc inouï parce que je me suis dit, voilà, je faisais mes petites chansons dans ma petite pièce, dans ma chambre. Et puis tout d'un coup, ces chansons, elles sont jouées par des musiciens et donc elles prennent une espèce de couleur qu'elles n'avaient pas au départ. Et puis ensuite, il y a un disque qui sort. Vous savez, la première fois que vous avez devant vos yeux une pochette, en plus c'était des vinyles à l'époque. Très émouvant, c'est sûr. Ouais. Très émouvant. Très émouvant. Vous avez rejoint les deux univers en faisant aussi des musiques de films. Donc absolument, finalement, c'était une bonne. Et donc une après, synthèse. Si vous voulez, ça sort, ça passe à la radio, vous dites qu'il y a peut-être 100 000 personnes ou 1 million, je ne sais pas, de personnes qui entendent la chanson. Enfin, vous voyez, et tout ça part d'un truc très très simple et qu'on peut faire chez soi avec un stylo bic, une feuille de papier et une guitare, quoi. Et ça m'a beaucoup plu. Je me suis dit, ça, c'est mon truc. Alors ici, on n'est pas chez vous, mais presque. Vraiment, mettez-vous à l'aise, installez-vous confortablement, parce que je vais vous laisser seul. Ah oui. Pas tout à fait, vous allez continuer de m'entendre. D'accord. On se retrouve dans quelques secondes. Avec plaisir. Je vous dis à tout de suite. Alors, Louis Chédid, si je vous dis « autre », ça vous fait penser à quoi ? Ben, ça me fait penser à tous les autres et avec bienveillance, en fait. Voilà. Je pense qu'on ne peut pas vivre l'un sans l'autre. Et moi, j'essaye d'aller vers les autres. Voilà. C'est ce que je pourrais dire. On sent effectivement que l'autre est souvent au milieu de ce que vous faites, hein, que ce soit votre engagement, notamment le fait de composer pour les autres. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas plus enrichissant que les autres, en fait. Dans la vie, c'est pas d'avoir une... Enfin, c'est bien d'avoir une voiture, je ne dis pas... Mais, ou de
d'avoir les moyens, évidemment, de se vêtir, de se loger, etc. Mais de se nourrir, évidemment. Mais ce qui vous enrichit le plus, c'est la rencontre, quoi. Les personnes, c'est d'échanger humainement avec les autres. C'est ça le plus fort, quoi. Alors, échanger humainement avec les autres, ça peut être l'amour, ça peut être l'amitié, ça peut être tellement de choses, mais ça peut être le travail, ça peut être faire de la musique avec les autres. En parlant de travail, si vous aviez pu soit être quelqu'un d'autre, soit faire quelque chose d'autre, vous auriez été qui? Vous auriez fait quoi? J'aurais été artiste, moi, parce que de toute façon, vous voulez. En fait, quand j'étais petit, je me disais je serais artiste. Parce que pour moi, artiste, ça voulait dire être libre. Voilà, c'est tout. C'était très simple. En fait, après, on devient artiste, mais on n'est pas artiste au départ. C'est pas parce qu'on pense qu'on veut être artiste qu'on le devient, si vous voulez. C'est parce qu'on travaille, c'est parce qu'on met des petits cailloux les uns sur les autres, etc. Mais voilà, c'était être libre, être libre. La dualité, je parle de dualité parce que quand on parle de l'autre, il y a cette notion d'être deux, donc de dualité. La dualité, on a le sentiment que c'est quelque chose qui revient souvent dans votre œuvre. Je pense à des titres comme « J'ai toujours aimé, aimé » ou « Pouvoir, pouvoir » ou « Zap, zap ». Vos duos, toutes ces ambivalences dans votre vie, l'ombre, la lumière, vous pouvez nous expliquer tout ça? Parce que c'est la vie, en fait. Je veux dire, on peut pas... C'est négatif positif, c'est 50-50, on peut pas dire il y a un tel mystère de la vie et de ce qui se passe après. Surtout certains vont vous dire il se passe rien, mais ils en savent pas plus que celui qui va vous dire il se passe quelque chose après à la vie. Et est-ce qu'il y a une autre vie, est-ce qu'il y a plus rien, c'est le néant total. Chacun pense ce qu'il veut, mais moi je préfère voir la bouteille à moitié pleine qu'à moitié vide. Donc quitte à me tromper, je préfère penser aujourd'hui, dans ma vie, aujourd'hui, qu'il y a quelque chose après. Par exemple. L'ombre et la lumière, vous avez dit l'ombre et la lumière, oui. Il n'y a pas de lumière sans ombre et il n'y a pas d'ombre sans lumière. Voilà, c'est juste. Il n'y a pas d'homme sans femme, il n'y a pas de femme sans homme, il n'y a pas de femme sans femme, il n'y a pas d'homme sans homme. Enfin voilà, on peut se passer de beaucoup de choses, mais on ne peut pas se passer de l'autre. Tout à l'heure, vous disiez, on ne naît pas artiste. Et pourtant, vous êtes une famille d'artistes, vos enfants sont tous artistes. Donc, est-ce qu'il n'y a pas quand même quelque chose qui se transmet? Ah oui, sûrement. Mais je pense que c'est plus une attitude, si vous voulez. C'est un sentiment de... Être artiste, c'est d'une certaine manière se sortir un peu du réel de temps en temps. Voilà, et puis même de temps en temps, ou même très souvent. C'est de ne pas être dans la réalité, dans la réalité, dans quelque chose de trop réel, voilà. C'est de garder, justement, on en parlait tout à l'heure, c'est un peu un pied dans l'enfance, c'est-à-dire que de se donner la possibilité encore de s'émerveiller. Mais bon, c'est pas que les artistes qui s'émerveillent, hein, ça je sais bien, mais je veux dire d'être dans une espèce de réalité artistique qui fait que on peut encore fonctionner sur, je vous le dis, sur l'instinct, sur l'émotion, se dire voilà, qu'est-ce que je vais bien pouvoir sortir de moi aujourd'hui pour toucher les gens, peut-être les faire pleurer, parce que vous pouvez faire une chanson extrêmement triste et très très émouvante, vous pouvez faire une chanson très rigolote et faire rire les gens, vous pouvez faire une chanson très rythmée et les faire danser, voilà, c'est communiquer des émotions. Et donc voilà, on est dans un monde un petit peu parallèle. Cet intérêt pour les autres, c'est quelque chose qui vous a été transmis? Oui. Par ma mère, sûrement, ça c'est sûr et certain. Ma mère, c'était une grande bécoteuse, elle était connue.
elle embrassait beaucoup les gens, elle est très, les gens adoraient ma mère, et elle adore toujours d'ailleurs, et c'était quelqu'un de très, très chaleureux avec les autres. Alors il y a les racines orientales, hein, ça joue beaucoup, parce qu'en Orient, on est très tactile, et on est... Hein. Mais enfin, elle était puissance 1000, et sûrement de la voir comme ça, comment elle était, avec des gens qu'elle connaissait à peine parfois, hein. Et comment ces personnes lui rendaient justement cette chaleur, moi ça m'a sûrement beaucoup influencé. Ouais. Ouais. Il y a un certain nombre de personnes qui ont compté pour vous, au-delà de votre famille évidemment, parce que vous êtes très très famille. Je pense à Patrick Devers, je pense ouais. à Brassens, je pense à Ferrer. Ces autres-là ont énormément compté, vous ont influencé, vous ont touché. Ah oui, absolument. Vous savez, Brassens, en fait, je devais avoir 7-8 ans. Et mes parents avaient acheté le disque de Brassens, Garogori, qui était un disque considéré comme subversif, parce qu'il disait des gros mots, etc. Et donc mes parents cachaient ce disque sous la pile de vinyle qu'ils avaient. Quand ils s'en allaient, ils ne voulaient pas qu'on les écoute. Et nous, évidemment, ma sœur et moi, qui devait avoir 10 ans, moi 7 ans, on se précipitait, évidemment, dans la... et puis on dénichait ce disque et on l'écoutait. Je me souviens très bien qu'on écoutait Garogori. Et franchement, les enfants, ils n'ont pas du tout la même sensation que les adultes. Et nous, pour nous, c'était pas... Enfin, il y avait quelques gros mots, mais c'était pas non plus... Mais voilà, donc j'ai été un petit peu... Brassens, pour moi, ça symbolise ça. Et bien des années plus tard, je l'ai rencontré parce que... Je participais au conte musical Émilie Joly de Philippe Châtel, et il y avait Brassens, Salvador, enfin tous les gens. Et un jour, je suis arrivé dans une émission de télé où tous les participants d'Émilie Joly étaient là, et il y avait Brassens qui est venu vers moi et qui avait écouté une chanson, parce qu'il écoutait beaucoup, beaucoup la radio, et il était très au courant. Et il était venu vers moi, il m'avait serré la main, il m'a dit « J'ai écouté votre chanson, la belle, je me suis fait la belle, j'aime beaucoup, bravo, et machin. » Et alors là, moi, c'était... j'ai fondu comme c'était pas permis, parce que, je veux dire, pour moi, c'était une espèce de... Voilà, et puis tous ces gens que j'ai rencontrés, Devers, vous parlez de Devers, effectivement, Devers, c'était une rencontre formidable, j'ai adoré ce type, j'adorais l'artiste, mais j'ai adoré l'être humain que c'était, écorché, ça c'est sûr, mais à la fois extrêmement, extrêmement généreux, très 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 étonnant. J'ai beaucoup beaucoup aimé ce type-là. Et voilà, enfin bon, oui, les artistes, c'est intéressant de connaître les artistes, parce que c'est des gens qui sont pas... moi j'ai beaucoup de respect pour les artistes, même des artistes qui sont loin de moi ou qui font des choses qui me touchent moins, etc. Mais j'ai du respect pour la fonction, je dirais. Parce que je trouve que c'est vraiment un métier difficile aussi. C'est un métier difficile, un métier qui peut faire peur, pas par ouais. sa précarité, son instabilité, parce qu'il y a aussi la peur de déplaire, de voilà. Justement, je voulais vous faire parler de vos peurs, qu'elles soient personnelles ou qu'elles soient collectives. Est-ce qu'il y a des choses qui vous font peur ? Ah bah oui, bien sûr, évidemment. Vous savez, c'est en fait pourquoi on est artiste, c'est parce qu'on pense. Enfin, ça c'est ma théorie, mais je suis pas le seul à partager. Je la partage avec beaucoup d'autres artistes. C'est parce qu'on pense, avant de l'être artiste, justement, qu'on ne peut pas être aimé seulement pour ce qu'on est. Voilà. Et que ça ne suffit pas, quoi. Donc, on fait des objets artistiques, quels qu'ils soient, hein, films, livres, chansons, tout ce qu'on veut, pour balancer des choses de nous-mêmes, mais que ce ne soit pas nous, des petites bouées comme ça qui sortent. Et puis, si jamais les gens les attrapent et disent « Ah, cette bouée, pas m'a sauvé la vie, mais disons, me plaît, etc. » Voilà, c'est une façon de nous dire, de redorer notre blason, quoi, notre blason personnel. Blason est égocentrique, sûrement, mais bon. Voilà, moi, je voilà, donc c'est pour ça que et si tout d'un coup je n'avais plus d'inspiration du tout, je trouvais plus
la façon de dire les choses, où j'avais plus envie, quoi. Ça n'a pas l'air d'être le cas. Là, ça me ferait peur, oui. Ça n'a pas l'air d'être le cas. Je lisais une interview de vous dans laquelle vous disiez « Je suis beaucoup plus excitée par la vie qu'avant ». Alors pourquoi ? Est-ce que c'est une forme de sagesse, quelque part ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est passé ? Est-ce que vous avez plus peur ? Là, vous aviez davantage peur avant. Qu'est-ce qui s'est passé ? Quand on est jeune et jeune adulte, etc., tout d'un coup, il y a plein de responsabilités qui vous je parle après l'adolescence, comme ça, tout d'un coup, il y a le fait de devoir travailler, de devoir gagner sa vie, et aussi d'avoir des enfants, d'être responsable. Enfin, il y a beaucoup de choses qui vous tombent sur la tête, et avec bonheur, hein. Souvent, mais je veux dire, c'est quand même des sacrées responsabilités, quoi. Et puis on avance, et au fur et à mesure où on avance, autant quand on était jeune, on se disait ça, j'y arriverai jamais, là, comment je vais faire ? Enfin, des choses même très terre à terre, comment je vais faire pour boucler mes fins de mois, machin, enfin, des choses qui vous taraude, quoi, et qui vous angoisse. Plus on avance, au bout d'un certain temps, si vous voulez, vous êtes passé par tellement de choses, etc., vous avez traversé tout ça, vous vous dites, bon, bah, les choses essentielles, c'est ça, ça et ça. Et en fait, il ne reste pas grand-chose. On en revient à la sagesse, cette capacité à aller à l'essentiel. Oui, voilà. Mais ça, il faut faire un peu de route pour se rendre compte qu'il y a des choses essentielles et il faut qu'on se consacre plus à ça qu'aux choses qui sont purement, je dirais, presque administratives. Alors, l'essentiel, c'est quand même de vivre. Est-ce que vous avez peur, pour revenir à la notion de peur, est-ce que vous avez peur de ne pas assez vivre ? De ne pas assez vivre, ça veut dire de mourir ou de ne pas assez vivre ? Les deux, comprenez-le comme vous voulez. Comprenez-le comme vous voulez, il y avait les deux. Il y avait à la fois la peur de la mort, parce que il y a beaucoup de gens autour de vous qui sont partis. Vous citiez des artistes fameux à l'heure. Bien sûr. Il y a aussi la femme d'Henri Salvador qui vous avait confié la réalisation du premier disque hommage à Henri Salvador qui aurait eu 100 ans. Donc tous ces gens, effectivement, qui disparaissent. Et puis il y a cette peur de sans doute de ne pas jouir assez de la vie, là où vous vous dites vous sentir à rajeunir. Donc il y avait les deux aspects dans la question, effectivement. Oui, je comprends ce que vous voulez. Peur de ne pas vivre assez intensément, oui, ça tout le temps, parce que je veux dire, on vit pas aussi intensément que l'on devrait, vous voyez. Moi, j'admire totalement des gens comme Jack London, par exemple, qui sont morts à 40 ans et qui s'est mis à écrire à l'âge de 23 ans, je crois. Et donc, en 16 ans, il a écrit, 16-17 ans, il a écrit 50 bouquins. Et à la fois, il a été photographe de presse, de guerre, de machin, de trucs. Il a construit un bateau. Enfin bon, je veux dire, là, c'est extrêmement intense. Mais peut-être que quelque part, il savait qu'il allait mourir tellement jeune qu'il fallait qu'il se dépêche, quoi. Et voilà. Quand on a la chance, parce que c'est vraiment une chance, je trouve, de vivre longtemps. Et quand on a cette chance-là, oui, plus on se rapproche de l'échéance, évidemment qu'on se dit c'est dommage, quoi, ça va s'arrêter à un moment donné, quoi. C'est sûr, mais d'un autre côté, ça peut s'arrêter n'importe quand. Donc moi, j'ai tendance à me dire dans ces cas-là, j'ai la chance encore à l'âge que j'ai d'être encore là, quoi, d'avoir survécu à tellement de choses que. C'est une chance. Voilà, donc j'essaie d'être positif. Hein. Mais c'est sûr que ça ne m'amuse pas particulièrement de me dire que dans les 20 ans qui viennent, bon, ben, je vais tirer ma révérence. C'est sûr, je préférerais que. Mais bon, tout ça est tellement relatif. Que... Alors, ça, ce sont des peurs individuelles. Parlons, si vous le voulez bien, des peurs collectives. Je pense notamment à la peur de la montée en puissance de l'extrême droite en France, puisque dans Anne, ma sœur Anne, vous dénoncez, vous évoquez la figure d'Anne Frank, qui est une figure qui a très clairement beaucoup marqué les esprits, qui est devenue un des classiques, cette chanson qui est devenue un des classiques de votre répertoire. Donc, qu'en est-il de ces peurs collectives ? Ah oui, non, mais ça, de toute façon. Malheureusement, cette chanson, dont j'espérais qu'elle soit obsolète, mais une chanson, malheureusement, ne change pas la. Pourquoi je vous interromps ? Pourquoi est-ce que vous espériez qu'elle devienne obsolète ?
Ah oui, parce que par rapport à la montée en puissance de... Oui, bien sûr, oui. Je pensais que c'était par rapport à... Que ce soit un épisode fâcheux ça de la République. Oui. Mais bon, malheureusement, c'est pas le cas, quoi. Voilà, je regrette qu'elle soit pas obsolète et j'aurais aimé ne plus avoir à la chanter, cette chanson-là. Mais je la chante toujours et je vais la chanter sur la tournée, etc. Oui, c'est sûr que c'est quelque chose qui est affligeant. Voilà. Pour moi, c'est affligeant. C'est même pas de la peur. C'est que c'est affligeant, quoi, de repartir en arrière comme ça et de croire au miroir, aux alouettes. Enfin, c'est même pas des alouettes là. C'est des faucons. Miroir aux faucons. C'est affligeant. On ne peut pas dire autre chose. Alors, il y a une chose aussi, par contre. C'est qu'il faudrait, même quand on a un sens, je crois que l'histoire n'est pas suffisamment enseignée et n'est pas suffisamment relayée par les médias, etc. Et qu'on n'en parle pas suffisamment, quoi, de ce qui s'est passé avant, parce que je pense quand même que ça refroidirait pas mal de gens. Mais voilà, il y a des espèces de cycles comme ça dans l'histoire. C'est des cercles pas vertueux, c'est des cercles vicieux. Et les choses reviennent comme ça. Absolument, parce que c'est un titre qui date de 85 et qui, hélas, est encore tristement d'actualité. Ouais. Alors parlons de choses plus gaies, si j'ose dire, enfin plus belles. On va précisément parler de beauté. C'est quoi pour vous la beauté ? La beauté, c'est la vie. Enfin, pour moi, c'est ça, la beauté. C'est-à-dire que c'est... La vie est toujours belle ? Non. Mais la beauté n'est pas toujours belle. Enfin, vous voyez, je veux dire, c'est la beauté, c'est intérieur, c'est pas quelque chose... Bon, alors, évidemment, vous avez des... Alain Delon, jeune, c'est difficilement... C'est imbattable, mais... C'est votre référence. Hein? Non, ça me fait rire, oui, c'est l'expression imbattable. Mais c'est ça, la beauté. Oui. On peut dire que c'est la beauté. Et voilà. Et, en plus, ça sonne bien, la beauté imbattable. Oui, exactement. Marlon Brando, des gens comme ça, quoi. C'est des gens... voilà. On parle, je vous interromps deux secondes parce que pour Alain Delon on parle, alors je ne vais pas me prononcer sur ce qu'il est intérieurement, mais on parle de beauté extérieure. C'est quoi pour vous la définition de la beauté intérieure ? Alors la beauté intérieure, c'est quelque chose qui ne se quantifie pas ou qui ne s'analyse pas. C'est d'avoir quelqu'un en face de soi et dans le regard, dans l'échange, dans le don de soi, ouais, dans le don de soi, dans la bienveillance qui dégage sur vous, la volonté de partager, d'échanger sans jugement, sans voilà, c'est ça la beauté intérieure pour moi. C'est un truc évident, c'est-à-dire que, et puis vous savez, c'est une espèce de sympathie qu'on éprouve tout de suite pour l'autre. Il y a des gens comme ça qu'on rencontre et y a immédiatement un truc, on a l'impression de se connaître depuis longtemps, par exemple. Voilà. Mais c'est beaucoup la générosité en fait. Faut essayer d'être généreux avec les autres, même des gens qui vous au départ, vous paraissez pas obligatoirement. Vous rendez compte que si vous êtes bienveillant d'une manière un petit peu systématique, bon, sauf avec des ordures totales, mais il y en a pas beaucoup finalement, et il y en a moins que de gens bienveillants. Quand vous êtes bienveillant avec les gens, ils le deviennent avec vous. Voilà. Je pense que c'est l'éternel you get what you give. Effectivement, je pense qu'on est. Ah bon, j'ai pas entendu. Si c'est l'éternel you get what you give, comme disent les anglo-saxons, on reçoit ce qu'on donne. Beaucoup, est-ce que précisément cette générosité que vous décriviez a un lien avec ce que vous avez transmis à vos enfants? Est-ce que vos parents vous ont même transmis au sens où vous leur avez transmis cet amour de la musique et de l'art au sens large finalement? Oui, je pense que oui. Ça c'est sûr. Oui. Ça c'est sûr. Vous savez, c'est de la... Oui, ça c'est évident. Je pense que oui. Ouais. Et c'est à eux de répondre. Hein. Moi, je peux répondre pour ma mère.
par rapport à ma mère, ouais, je pense qu'elle m'a vraiment transmis ça. Et elle m'a rendu beaucoup de service là-dessus. Parce que c'est sûr que c'est pas un truc évident. Mais de laisser la place à sa sensibilité, de pas avoir peur d'être sensible. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire de pas se dire si je montre trop ma sensibilité, surtout quand on est un garçon, si je pleure ou si machin, etc. Les garçons, ils sont éduqués à pas pleurer. Hein. Un mec qui pleure pas, il est, bon. Et une fille qui pleure pas, elle est suspecte. Mais un mec qui pleure, ça marche pas. Donc, c'est des archétypes, mais elle, ma mère m'a fait comprendre que la sensibilité est une arme. Mmh, certainement. Quand je vous demandais ce qu'était la beauté tout à l'heure, vous avez intuitivement, instinctivement, pour reprendre votre terme d'instinct, parlé de la vie. Ben, quand on parle de la vie, on parle aussi de la mort, hein, par Ricochet. Ouais. Vous évoquez assez souvent l'au-delà dans vos chansons. Ça évoque quoi pour vous, l'au-delà ? Alors, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est la bouteille à moitié pleine ou à moitié vide. C'est-à-dire qu'il y a évidemment deux théories dans ce genre de choses. C'est quoi? C'est ceux qui sont nihilistes, enfin, je veux dire, qui croient à rien qui se passe après. Et puis, il y a ceux qui croient qu'il se passe quelque chose après. Alors, moi, je suis plutôt dans le camp de ceux qui pensent qu'il se passe quelque chose après. Parce que je me dis que, de toute façon, c'est plus sympa de penser comme ça. Et qu'au moins, ça laisse un espoir, quoi. Et peut-être qu'il se passera justement des choses encore plus extraordinaires que ce qui se passe aujourd'hui. Et puis aussi, c'est un chemin de vie. C'est-à-dire que autant vous m'auriez parlé de ça quand j'avais 30 ans, je vous aurais dit c'est une catastrophe. Et j'ai fait beaucoup de chansons d'ailleurs là-dessus et que c'était pas rigolo. Autant, en ayant traversé beaucoup de choses et en ayant vécu beaucoup de choses, rencontré des gens, etc., discuté avec eux et tout, je pense aujourd'hui qu'il y a vraiment quelque chose après. Et je le vis mieux, mais je vis mieux en pensant ça. Alors, c'est une transition presque parfaite pour aborder le dernier terme que je voulais soumettre à votre sagacité, ouais. À savoir Dieu. Oui, bah, c'est important. Hein. Enfin... Dieu, c'est pour moi, c'est une entité. C'est pas le Dieu que je parce que j'ai été dans une école religieuse moi pendant longtemps. Hein. J'ai été très longtemps dans une école religieuse qui s'appelait l'école Bossuet rue Guynemer à Paris et j'ai servi la messe. J'allais à confesse régulièrement. Dans quelle mesure cette éducation-là a forgé l'homme que vous êtes aujourd'hui? Complexe comme question de répondre à ça. Sûrement, ça m'a forgé une espèce de morale, quoi. Je veux dire, j'ai un côté ces termes de charité, ces termes de générosité envers les autres, d'essayer d'être d'être poli, d'être toujours, ce mot, il revient souvent chez moi, mais bienveillant avec les autres, d'essayer d'être proche des gens qui souffrent, d'essayer de les aider si je peux. Et voilà, je pense que ça, la fréquentation de la religion m'a permis ça. Mais, vous voulez dire que peut-être cette doctrine sociale de l'Église, comme on pourrait l'appeler, vous a aidé à vous construire une philosophie humaniste? Oui, sûrement. Enfin, sûrement. Oui, sûrement. Et je dirais que Dieu, pour moi, c'est le créateur, quoi. C'est pas Dieu tel qu'on me l'a montré, tel qu'on me l'a défini. C'est plutôt une création, quoi, un créateur, quelqu'un qui crée quelque chose. Et peut-être pas une seule personne, peut-être plusieurs, peut-être une âme, peut-être une entité, je sais pas, enfin bon, on sait pas de toute façon. Mais c'est quelqu'un que j'aimerais bien rencontrer, voilà, ça c'est clair. Qu'est-ce que vous aimeriez l'entendre vous dire, peut-être au dernier jour de votre vie? Euh,
j'aimerais qu'ils me disent « Ta vie ne fait que commencer ». Oui, c'est riche d'espoir. Alors, vous avez décidé de nommer un de vos albums « Deux fois l'infini ». Ce n'est pas du tout anodin comme, ouais. comme titre. Ça fait écho à quoi chez vous, notamment la notion d'infini ? Ben justement, c'est la vie qui n'en finit plus. Et vous savez, c'est dans la religion indienne, etc. Vous avez plusieurs vies. Et puis, si cette vie-là n'est pas à la mesure de ce que vous espériez, de ce que vous espérez, sûrement que plus vous êtes bien dans cette vie-là, même dans la misère, la prochaine vie sera beaucoup mieux, etc. C'est l'espoir de quelque chose qui se transforme et qui devient et qui n'est pas qu'une seule vie sur un certain nombre d'années, etc. Voilà. Et moi j'aime assez cette idée que ça s'arrête pas, quoi. Ça c'est sûr, parce que j'aime beaucoup la vie et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup la vie, quoi. Comment est-ce que dans votre vie, qui est quand même plutôt bien remplie entre la famille, la composition d'albums, parce que voilà, vous continuez avec une soif de vivre incroyable, comment est-ce que vous trouvez la possibilité de vous ressourcer dans une forme de spiritualité quelque part ? Bah, vous savez, la spiritualité, en fait, c'est quand on est artiste et quand on crée, on est un peu créateur d'une certaine manière. Donc notre spiritualité, enfin, je parle pour moi, mais disons la spiritualité, elle vient un peu de cet état dans lequel on se met pour recevoir, quoi. Alors il ne s'agit pas de se mettre comme ça et puis de se dire tiens, on va attendre que ça arrive. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est-à-dire qu'il faut se mettre dans un état, il faut se mettre dans une discipline, il faut se mettre dans. Mais moi, je trouve ma spiritualité beaucoup dans ces moments de création. Et je suis m'intéresse beaucoup moins quand je suis pas en état de création. C'est intéressant parce que finalement, c'est la création qui vous conduit à un état de spiritualité et c'est pas le fait d'être dans la condition d'une forme de spiritualité qui vous rend créatif. Ouais, en fait, absolument. Ça, c'est sûr. Ouais, c'est sûr. J'ai besoin Alors après, ça peut paraître prétentieux, mais c'est pas comme ça que je le dis, mais j'ai besoin de créer mes lèvres. Voilà, mes lèvres. Et pour moi, la spiritualité, c'est quelque chose qui vous élève, qui vous tire vers le haut, qui vous donne. Je me souviens, par exemple, quand j'étais quand je servais la messe, etc., que j'étais extrêmement pointilleux. Enfin, je veux dire, ça m'exaltait, quoi, d'une certaine manière, quand j'étais petit, de servir la messe, de faire ma première communion, enfin des choses comme ça. Et j'avais cette espèce de sentiment d'élévation, quoi, de quelque chose qui vous met dans une dimension qui est beaucoup plus spectaculaire, je sais pas comment dire, comme un horizon qui s'ouvre, etc. Voilà. Et de temps en temps, pas toujours, hein, mais disons que quand je suis dans un état de créativité, de création, etc., j'ai ce sentiment, quoi. Tout d'un coup, tac, je suis dans une dimension beaucoup plus belle. Mais écoutez, on va terminer sur cette note optimiste. Merci beaucoup d'avoir joué le jeu. On se retrouve dans quelques secondes. C'est amusant, comme tout. Tant mieux, tout de suite. Merci, Micheline, de vous être livrée. Comment ça s'est passé pour vous? Quel était votre ressenti? Moi, ça m'amuse beaucoup de faire ça. Je trouve ça très bien. Parce qu'on a l'impression de se parler un peu à soi-même, quoi. C'est rigolo. Mais on sent que vous vous êtes posé ces questions, que vous y avez réfléchi. Ça vient très, très spontanément. Oui, on peut pas je vous dis, avoir vécu toute son enfance, surtout son enfance.
dans un milieu quand même très religieux, hein, parce que collège, de école religieuse, etc. Mais à la maison, il y avait un relais ou c'était essentiellement dans le contexte, dans le cadre de l'école? Mes parents me demandaient d'aller à la messe le dimanche, etc. Hein, parce que j'étais à côté de Saint-Sulpice, donc d'accord, j'allais à Saint-Sulpice. Mais eux, ils n'y allaient pas beaucoup. D'accord. C'était une espèce de... Et puis, au Liban et en Égypte, etc., c'était aussi des collèges... de curés beaucoup et de bonnes sœurs, hein. Donc voilà, c'est une espèce de, disons, de, je dis pas d'habitude, mais ouais, enfin un peu quand même. Et aujourd'hui, vous y retournez à la messe ou du coup vous avez un peu levé le pied? J'ai levé le pied, je vous avoue, j'ai vraiment levé le pied. Mais par contre, j'adore aller dans certains endroits, comme des espèces de petits pèlerinages, si vous voulez, des abbayes. Il y a une abbaye pas loin de chez moi dans le sud, enfin une centaine de kilomètres, mais j'y vais très régulièrement parce que c'est quelque chose qui me parle, une abbaye qui s'appelle Cotignac, et j'y vais, je passe une heure, et pourtant c'est 100 kilomètres. Hein, donc, ouais. Est-ce que c'est un lieu qui vous inspire, qui vous apaise ? C'est un lieu qui m'inspire et qui m'apaise. D'accord. Ouais, ouais. Alors Cotignac, vous y allez ? Est-ce que vous allez de temps en temps au Liban aussi, puisque c'est vos racines ? J'y vais de temps en temps, mais pas assez souvent, parce que je veux dire, j'aimerais y aller plus, mais c'est un vrai voyage, quoi. Donc, et j'aime beaucoup les Libanais, j'aime beaucoup ce pays. Et, la convivialité. Et puis c'est dur ce qui leur est arrivé. Et vraiment, c'est un pays qui méritait pas du tout ça, quoi. Voilà. Alors, comme dans vos musiques, la notion de dualité est très présente, on en parlait à l'instant, on a décidé de vous proposer un thème lié à ça, et donc je vais vous proposer à chaque fois deux choix de réponse, à vous de choisir la plus adaptée. D'accord. On commence. Lequel de ces deux mots vous parle le plus, intériorité ou exubérance ? Intériorité, je pense, oui. Quelle est la notion qui vous parle le plus entre l'ombre et la lumière, et pourquoi ? Ça, c'est compliqué, parce qu'en fait, l'un ne va pas sans l'autre, et donc... C'est compliqué. Mais je pense que la lumière, quand même. La lumière, ouais, davantage. Ouais, pour quelle raison ? Parce que pour moi, la lumière, ça évoque l'été. Et l'été, pour moi, c'est beaucoup plus consommable que l'hiver, l'automne, et surtout l'automne. Vous avez du mal avec l'automne. Oui, j'ai du mal avec l'automne. Ouais. Lequel de votre premier ou de votre dernier album vous a le plus marqué ? Moi, c'est toujours le dernier qui me marque, parce que c'est ça qui m'intéresse. C'est-à-dire que, en fait, je veux que ce que je fais aujourd'hui soit ce qu'il y a de mieux, si vous voulez. Parce que, en fait, plus abouti, vous voulez dire. Ouais, le plus abouti. Et puis, contrairement à ce que pensent beaucoup de gens, on n'est pas assis. Ce n'est pas parce qu'on a fait beaucoup de disques et qu'on est connu, etc., qu'on capitalise là-dessus. En tout cas, moi, ça ne me dit rien de capitaliser là-dessus. Ce qui m'intéresse, c'est d'être actuel, toujours. Alors, évidemment, je suis très content d'avoir des chansons qui ont marqué les gens et de les chanter sur scène, etc. Mais je ne ferais plus ça si je n'étais plus actuel. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que je veux... Et la barre est de plus en plus haute, évidemment, puisqu'il y a plein de titres que les gens connaissent. Et quand vous sortez un nouveau disque... Vous êtes attendu au tournant. Vous êtes attendu au tournant, vous voyez. Donc voilà, c'est-à-dire que c'est un vrai challenge de sortir un disque. Alors justement, quel regard vous portez sur votre parcours entre ce premier album que vous évoquiez tout à l'heure, cette, quand même cette magie, cette joie de voir pour la première fois un titre, et l'artiste que vous êtes devenu aujourd'hui? Vous parliez tout à l'heure d'un chemin, voilà, qui apporte une forme de maturité, qui permet de prendre conscience d'un certain nombre de choses, vous l'expliquiez très bien. Quel regard vous portez sur ce parcours, ces 40 dernières années? Je ne regarde jamais ça, moi. Vous ne regardez pas dans le rétroviseur? Non, pas du tout. Ça me vient même pas à l'idée. D'accord. Ouais, ouais. Alors évidemment, quand par exemple là, je suis en train de faire la liste des chansons que je vais chanter sur scène, etc. Donc évidemment que là, il faut que je réécoute des choses et tout ça, si vous voulez. Donc de temps en temps, oui, bien sûr. Mais je ne porte jamais un regard critique ou de jugement. Vous voyez ce que je veux dire? Je dis, ah ouais, j'ai fait ça, bon, bah, c'est bon, ben, bah, on va. Mais je ne suis pas en train de me.
de me dire, ah ouais. Mais c'est intéressant parce qu'il y a quelque chose de très artistique dans votre approche, là où dans l'entreprise, on peut être beaucoup plus dans la mesure de la performance entre un point A et un point B. Et vous, vous semblez vivre les choses comme elles viennent, finalement, sans forcément poser ces questions-là. De toute façon, non. Et de toute façon, je veux dire, je pense que ce qui est important, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. C'est-à-dire, ce n'est pas ce qu'on a fait hier et ce n'est pas ce qu'on pourrait peut-être faire demain. Parce que, je veux dire, tout ça... Moi, il y a une phrase que j'adore. Je ne sais pas si je vais bien la restituer, mais enfin, en gros, ça dit ça. Dites à Dieu ce que vous allez faire demain. Si vous voulez faire rigoler Dieu, dites-lui ce que vous allez faire demain. Moi, je trouve ça formidable comme phrase. Parce que ça ne veut rien dire. On ne sait pas ce qu'on sera demain. On ne sait même pas si on sera là. Et voilà, je veux dire, c'est l'instant présent qui compte. Alors, évidemment que les souvenirs, les machins, tout ça, oui, 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 ça vous construit, mais si vous vivez que là-dedans, ça veut dire que vous n'avancez plus, donc voilà. Ne pas vivre ni dans le moment futur, ni dans le moment passé, mais vraiment dans le moment présent. Finalement. Ah oui, complètement. Alors là, oui. Avec quel artiste vous aimeriez travailler, avec lequel vous n'avez pas encore travaillé, et avec lequel voilà, vous aimeriez collaborer à l'avenir? Et je ne collabore pas beaucoup, moi. Non, mais vous avez quand même cité tout à l'heure quelques, enfin, des membres de votre famille, bien sûr, pour commencer. Oui, mais ça, on l'a fait, ça, voilà. On l'a fait, donc c'est bon. Quand vous dites on l'a fait, ça veut dire que c'est fini? Non, je ne dis pas que c'est fini, mais disons que c'est on a fait un truc tellement exceptionnel, si vous voulez, que personne, quasiment, n'a jamais fait. C'est-à-dire que deux générations d'artistes qui se retrouvent sur scène, et presque, je dirais, trois générations, parce que Mathieu a 15 ans de plus que Joseph et Anna. Donc c'est vraiment quelque chose de très rare, et en plus de ça, on était tous les quatre sur scène, c'est nous qui faisions tous les instruments, enfin vous voyez, il n'y avait personne d'autre. Et je pense que ça a beaucoup touché les gens. Alors les gens c'est une chose, mais vous, qu'est-ce que ça vous a apporté à vous? Parce que c'est quand même très... C'est pas rien d'être sur scène avec ces trois enfants. Un truc exceptionnel, parce que en fait, c'est quelque chose que... On imaginait pas que ça puisse avoir un impact sur les uns ou les autres aussi fort. Si vous voyez ce que je veux dire, c'était parce que nous, ça fait des années qu'on joue comme ça de la guitare, qu'on se retrouve et qu'on se monte nos chansons, etc. Mais tout d'un coup, cette espèce de symbiose entre le fait que on soit sur scène et que les gens y soient venus pour ça et qu'ils regardent et qu'il y ait une espèce d'émotion comme ça aussi forte, ça c'était quelque chose qu'on ne pouvait pas mesurer avant. Donc on se disait peut-être que ça ne fonctionnerait pas, enfin vous voyez, on ne peut pas savoir. En fait, ça a été magique. C'est pour ça que je dis que c'est ce genre de choses qui sont éphémères, et il faut que ce soit éphémère, parce que si on le fait systématiquement, ça devient quelque chose de commun, quoi. Ouais, je veux dire. On banalise, oui. Ouais, voilà, on banalise le truc. Et vraiment, on est parti là-dessus, parce qu'on avait pu faire 200 concerts. On a fait 40, on s'était dit on fera 40 concerts. Évidemment, ça a frustré nous aussi, d'une certaine manière, mais bon, c'était l'axiome de départ. Et voilà. Meilleures choses ont une fin. Oui, les mêmes choses toute fin. Ouais. Alors là, vous étiez plusieurs sur scène. Je rappelle que donc vous serez en tournée dans toute la France, seul cette fois-ci, le 27 mars à Paris à l'Olympia, les 26 et 27 mai. Ça passe très vite, et donc on est déjà au terme de cette émission. Merci beaucoup, Louis Chédid. C'était un plaisir. C'est un plaisir partagé. Ouais. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Je rappelle que vous pouvez retrouver cette émission sur notre site internet, sur l'adresse kto.tv.com. À très très vite.